suffit de découvrir la faune et la flore de l'Ardenne belge dans une réserve d'animaux sauvages. Bienvenue aux grottes de Han. Les grottes de Han, ça se situe tout d'abord le long de l'autoroute de Luxembourg à Bruxelles, à la frontière, nous sommes sur une frontière entre l'Ardenne et la Famenne. C'est un pays de collines, de collines calcaires, et dans ces collines, là, l'est, la rivière s'est creusée tout un réseau de près de 17 km de grottes. Les grottes de Han, c'est aussi un parc animalier, avec plus de 500 animaux répertoriés, et c'est le seul parc en Belgique qui accueille les Big Five européens. Le loup, l'ours, le lynx, le bison d'Europe et le glouton. Nouveauté cette année, les grottes de Han vous accueillent pour un parcours spéléo à la portée de tous. L'opposé d'activités pointues, ici, c'est vraiment ludique, c'est familial. Papa, maman, les enfants, tout le monde va, pendant à peu près trois quarts d'heure, une heure, se balader dans des galeries non aménagées. Il y a tout un système de balisage, le blanc à l'aller, le rouge au retour. On vous met un casque, une lampe LED, salopette, bottes, et vous partez à l'aventure. On a bien entendu un ou deux rangers spéléo qui font la surveillance, mais vous êtes livré à vous-même. Mais en toute sécurité, ça va de soi. On vous attend. La grogne sociale est encore montée d'un cran ce mercredi. La plupart des raffineries sont de nouveau en grève et les mouvements de contestation se répandent à d'autres secteurs tout aussi essentiels, notamment à l'électricité avec cet appel de la CGT Énergie à arrêter les centrales nucléaires et au rail avec des grèves à la SNCF. Le gouvernement, qui a procédé ce matin encore à des déblocages de raffineries afin d'éviter le mouvement de panique des automobilistes qui se précipitent à la pompe, est face à une colère inédite. Demain, des manifestations d'ampleur sont prévues dans tout le pays pour demander le retrait de la loi travail. Aux États-Unis, la peine capitale sera requise contre Dylan Roof. Ce jeune homme de 22 ans, qui professe à l'envi sa haine des Noirs, est accusé d'avoir ouvert le feu dans une église de Charleston en juin 2015. 9 personnes avaient été tuées. Dylan Roof doit être jugé à une date restante à fixer, mais la justice fédérale a fait savoir qu'elle requerrait la peine de mort contre l'auteur de la pire tuerie raciste de l'histoire récente des États-Unis. La Grèce sauvée par l'Europe, les ministres des Finances de la zone euro se sont accordés tôt ce matin sur le déblocage de nouveaux prêts à la Grèce et sur des mesures progressives afin d'alléger la dette d'Athènes. Demain matin, Adrien Lanois et la rédaction vous offrent les dernières nouvelles, les images qui comptent et l'infoservice. 6h30, la matinale Grand Lille TV, ayez le bon réflexe. 03 20 715 000. Un fait marquant en train de se passer. Un événement que vous organisez. Appelez la rédaction Grand Lille TV. 03 20 715 000. Grand Lille TV, partagez, informez. Chaque jour sur Grand Lille TV, retrouvez Objectif Santé, le magazine de la santé pour savoir, comprendre, prévenir et guérir. Rubrique à retrouver en podcast sur grandlille.tv. Objectif Santé avec le pôle Lille Métropole à Ramsay Général de Santé. Matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en direct en ce jeudi 26 mai et tout juste 7h30. On démarre d'abord par les rapides prévisions météo. Tout va bien ou presque aujourd'hui, quelques nuages sans conséquence. Le soleil et le ciel bleu vont facilement s'imposer sous 21 degrés pour les températures. L'information principale surtout ce matin, c'est le conflit social qui persiste dans la région avec ce blocage de l'autoroute A25 par la CGT depuis 6h ce matin. Les militants en syndicalistes bloquent la sortie et Labassé, Anglo, en fait, l'échangeur d'Anglo, tout simplement sur la 25 en direction de Lille. Du coup, d'énormes ralentissements sont signalés à l'heure actuelle depuis la Flandre et quasiment depuis